Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Déjà, plus à Paris, plus dans la misère, plus dans la grisaille. Je suis à l'île de Ré, donc je suis trop content. Ça fait 4 ans je suis sur YouTube. 4 ans on me dit, tu ressembles à Pierre, Paul ou Jacques. Tu ressembles à toutes les personnes qui ont des lunettes, qui sont blancs ou qui ont le cheveu blond. Donc je vous ai mis un petit tweet, attendez. Envoyez-moi des photos de mes sosies ou des personnes auxquelles vous trouvez que je ressemble, qu'on rigole un peu. Donc aujourd'hui je vais réagir à mes sosies ou à ceux que je ressemble, bref, anyway. Du coup, bah si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Désolé les amis pour la tenue, je viens de faire une partie de tennis, du coup la tenue n'est pas très adéquate à la vidéo, mais bon, on est en vacances, on chill, on... Alors lui, apparemment, si tu tapes Sosie Sandil sur Google, tu vois lui, mais... Vous voyez, j'ai juste des lunettes, et on a juste 3 poils sur le caillou, on ressemble tous à Tintin, quoi. C'est moi. Là, c'est... Pour le coup, là, c'est pas un sosie, c'est moi, quoi. J'ai tapé mec BG 14 ans blond, Merci, j'ai 14 piges. Alors lui, mais tellement pas, on se ressemble tellement pas. Non, t'abuses. En soi, on se ressemble pas. Je vous jure, si je retire mes lunettes et tout, je redeviendrai quelqu'un typiquement unique. Mais le fait que je porte des lunettes, que j'ai des traits fins, on va dire, avec une petite bouche, un petit nez, et ben je ressemble à toute la terre. Je plains les personnes qui ont aussi des lunettes et qui ont les cheveux blonds et qui ont des petits traits fins, qui se font insulter de Saint-Jules, quoi. Mais à quelle heure, en vie? MDR, non, je crois pas. Une petite ressemblance. Oh mon dieu, lui, le pauvre. Mais c'est vrai que lui, mais on dirait mon jumeau. Lui, c'est mon jumeau, je vous promets. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et genre, il y a un an, j'ai tweeté, je crois que j'ai trouvé mon jumeau. Et le mec a commenté, mais MDR, genre, il déteste YouTube, il déteste Saint-Jules. Mais il me ressemble tellement. Je suis désolé, salut, je sais pas comment tu t'appelles, Antoine, mais genre, c'est pas de ma faute si t'as exactement le même t-shirt que moi à l'époque, la même coiffure et les mêmes lunettes, s'il te plaît. Ah! En soi, peut-être que je ressemblerai à lui plus tard, hein, en vieillissant. Peut-être. Qui sait? Alors, le jour où j'ai viré mes lunettes carrées là, Carglass, et que j'ai pris ces lunettes rondes, tout le monde disait Harry Potter. Moi, c'était une période, hein, aujourd'hui. Vous avez tourné la page? Il te ressemble pas mal, lui. Alors quand j'ai commencé YouTube, on me voyait lui mais 10 fois par jour. Tout le monde dit que je ressemblais à lui, je sais même pas qui c'est, je crois que c'est un présentateur. C'est tellement vrai. Quand j'étais rouge, j'avais 3 poils sur le caillou. Oh là là, ça me rappelle YouTube il y a 2 ans. Sur Twitter, on m'envoyait tout le temps, il ressemble à Tintin. Squeezie. Je ressemble tellement pas à Squeezie, hein. On a juste un grand front. Mais ça s'arrête là en fait. Non, pas Justin Bieber, je crois pas, non. Leonardo DiCaprio, mais dans vos plus grands rêves, genre vraiment. Ouah, tellement pas. On a aucun trait de ressemblance, genre vraiment. C'est pas vrai, guys, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, je ressemble pas à Lenny Kim. Enfin, il est très beau, mais on se ressemble pas, quoi. Alain Delon. Oh, c'est un si beau compliment. Là, je suis touché, là. Ah non, pas Jimmy Labeu. Non. Vous mentez. Narnia Peter. Je voulais grave lui ressembler quand j'étais petit. Je ressemble pas à Peter. Oh, un peu de quand même. Il y a des amis de Pierre, Paul ou Jacques qui vont reconnaître leurs potes là. Je suis désolé, mais genre, ils se ressemblent pas du tout. Ils se font photographier, ils portent des lunettes tranquilles dans leur vie, ils se font embêter. Hi. Oh. Vous êtes tellement drôle sur Twitter, mais. Ah, vous me faites trop rire quand je vous dis, parfois le soir, je suis comme ça sur mon téléphone, mais je pleure de rire. J'ai des larmes de crocodile qui coulent. Et voilà, maintenant, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. On est 1 060 000. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.